Bombay, le 3 mai 1903. Chère maman, nous sommes arrivés en Inde, à Bombay. Une ville incroyable! On dit qu'il y a près d'un million d'habitants. Et tu sais quoi? Les gens se promènent dans la rue à dos d'éléphants, comme dans le livre de la jungle. Ici, ils ont même un dieu éléphant, Ganesh. Et un autre, Vishnu, qui a quatre bras. Je me dis que ce serait très pratique pour papa, qui doit faire très attention dans la montgolfière. Lors de notre dernier vol, nous suivions les rails du chemin de fer. Sauf qu'on a croisé le train, et avec la fumée noire, papa a dû bien manœuvrer pour qu'on ne soit pas asphyxié. Ce matin, nous avons justement visité un temple dédié à Vishnu. Et papa n'a pas pu s'empêcher de me parler de musique. Il m'a raconté l'histoire du compositeur Léo Delibes. Figure-toi qu'il est entré au conservatoire à mon âge. Et même, c'était un camarade de classe de Monsieur Bizet, qui avait 9 ans, et qui a dû tricher sur son âge pour être admis. Monsieur Delibes n'a pas écrit Carmen, comme Bizet, mais Lakmé. C'est un opéra qui raconte l'histoire d'amour entre une jeune hindoue et un officier britannique. Ici, les Anglais interdisent aux Indiens de pratiquer leur religion. C'est pour cela que le père de Lakmé ne veut pas que sa fille épouse un Anglais. À un moment de l'histoire, le soldat se promène au milieu d'un marché et toute cette agitation lui donne le tournis. C'est vrai qu'ici, ça grouille de monde. Potiers, tailleurs, tapissiers, bijoutiers, et parmi eux, des vaches sacrées, des chiens, des chats et des milliers de fleurs et d'épices qui ont des couleurs de rubis. Tout d'un coup, au détour d'une ruelle, nous avons perçu comme un étrange silence. Les gens regardaient une jeune femme danser. « Comme dans l'opéra, m'a chuchoté papa. Le père de Lakmé oblige sa fille à danser dans la rue afin que le soldat, caché dans la foule, vienne à sa rencontre. C'est alors qu'il est poignardé. » Nous étions ensorcelés par la grâce de la danseuse. Je n'avais jamais vu de geste aussi beau. La danse a fini, l'agitation a repris, et c'est là que j'ai perdu papa. J'étais seule parmi le vacarme et la poussière, impossible de le retrouver. J'ai à peine bougé avant de voir au loin une boutique où l'on vendait des instruments de musique. Naturellement, c'est là que papa était. Il n'a même pas vu que je ne l'avais pas suivi. Moi, j'ai voulu t'acheter un collier de jasmin, comme celui que Lakmé dépose autour du cou de son amoureux. Mais papa m'a dit que les fleurs ne survivraient pas au voyage. Je t'en mets donc une dans cette enveloppe, en espérant que son parfum te fasse voyager. J'ai hâte de te retrouver, mais je n'ai pas très envie de rentrer à Paris. Ah, si, il y a bien l'opéra, où papa m'a promis de m'emmener. J'espère que cette fois, tu viendras avec nous. Hein, maman, tu viendras avec nous? Je t'embrasse tendrement. Ton petit Jules, qui t'aime très fort. Notre histoire se déroule en 1903, 65 ans après le sacre de Victoria, la reine du Royaume-Uni, 45 ans après que l'Inde devient une colonie anglaise, et 11 ans avant la Première Guerre mondiale. Durant leur périple en Inde, nos personnages visitent des temples hindous. Parmi les divinités qu'ils évoquent, Vishnu est le dieu de la création et du temps, et il est représenté avec quatre bras. Quant à l'opéra dont nous avons entendu les airs de danse, il s'appelle Lakmé.
Il est composé en 1883 par Léo Delibes, qui n'a jamais mis les pieds en Inde, mais qui avait entendu en Europe des airs traditionnels indiens dont il s'est parfois inspiré pour son œuvre.